J'ai raison. Quelle heure ? Quel pays ? Quel jour ? Quelle saison ? Mais... Je suis étourdi. Monsieur... Comme une bombe, je tombe de la lune. Bonsoir, monsieur. J'en tombe ! Quoi ? Quoi ? Que vous en tombez ? C'est peut-être un démon. Et je n'en tombe pas métaphoriquement. Bon. Il y a 100 ans ou bien une minute, j'ignore tout à fait ce que dura ma chute. J'étais dans cette boule à couleur de safran. Quel est ce continent ? Où suis-je ? Soyez franc, ne me déguisez rien. Ah ! Grand Dieu ! Je crois voir qu'on a dans ce pays le visage tout noir. Comment ? Suis-je en Alger ? Êtes-vous indigène ? C'est un masque, père. Oh, je suis dans Venise ou dans Gênes. Une dame m'attend. Je suis donc à Paris. Le drôle est assez drôle. Ah, ah, vous riez. Je ris, mais veux pas faire. C'est à Paris que je retombe. J'arrive. Excusez-moi pas la dernière trompe. Je suis un peu couvert d'éther. J'ai voyagé. J'ai les yeux tout remplis de poudre d'astre. J'ai, aux éperons encore, quelques poils de planète. Tenez, sur mon pourpoint, un cheveu de comète. Hein. En frôlant le trident, j'ai évité ces trois lances et suis allé tomber assis dans les balances dont l'aiguille, à présent là-haut, marque mon poids. Par l'enfer ! Par le ciel ! Douteriez-vous de moi ? Le voilà ! Dépêchez-vous, mon père. Et pourquoi faudrait-il hâter une prière ? Sancta Virgo Maria, Stella Purissima, Alma Mater Dei, Virgo Sanctissima. Suffit ! Parfait ! Retirez ça pour m'écouter ! Mon masque ! Plus de masque ! Il faut que vous sachiez comment la lune est faite, et si quelqu'un habite dans la rotondité de cette cucurbite. Non ! Vous devez savoir comment j'y suis monté ! Ce fut par un moyen que j'avais inventé. Waouh ! Vous devinez ? C'est un fou ! La marée ! Oui, l'eau de l'océan par la lune est tirée. Je me mis sur le sable, après un bain de mer. Et la tête partant la première, mon cher, car les cheveux surtout gardent l'eau dans leurs franges. Je m'enlevais dans l'air, droit, tout droit, comme un ange. Je connais cette foi. Savoyant, je suis ivre. Le quart d'heure est passé, monsieur, je vous délivre. Le mariage est fait. Ouvrez, c'est Cyrano. Ils viennent à l'instant d'échanger leur anneau. Un beau couple, mon fils, réuni là par vous. Vous pouvez dire adieu, madame, à votre époux. Comment ? Le régiment déjà se met en route. Joignez-le, vous partez. Pour la guerre ? Sans doute. Mais monsieur, les cadets n'y vont pas. Ils iront. Voici l'ordre. Courez le porter, vous, parents. Christian. Vous entendez ces tambours, c'est pour nous. Obéissez, monsieur. Eh bien, qu'attendez-vous ? Allons. La nuit de noces est encore lointaine. Dire qu'il croit me faire énormément de peine. Vous aussi, vous partez. Je vous le confie. Promettez-moi que rien ne va mettre sa vie en danger. J'essaierai. Que ce siège terrible et noir à jamais froid. Je ferai mon possible, mais... Il sera fidèle ? Eh oui, sans doute, mais... Qu'il m'écrira souvent. Ça, je vous le promets.